Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Vanapolo, Viens voir. Vanapolo, Vanapolo, Oui, viens voir. Vanapolo, Joma, Viens voir les prodiges que Dieu m'a fait. Viens voir les grandes choses que Dieu réalise. Viens voir des choses extraordinaires que Jésus fait. Amen. Vanapolo, viens voir. Alléluia. Amen. Vanapolo, oui, viens voir. Vanapolo, viens voir des choses extraordinaires que Dieu a fait. Vanapolo, viens voir les choses que Dieu réalise. Viens voir des choses que Dieu accomplit. Amen. Alléluia. Amen. Vanapolo, oui, viens voir. Vanapolo, viens voir. Vanapolo, viens voir des choses que Dieu réalise. Vanapolo, viens voir les choses que Dieu accomplit. Viens voir les choses que Dieu fait. Viens voir les choses que Jésus réalise. Égalé Ogelo, il le fera encore. Égalé Ogelo, amen. Égalé Ogelo, il le fera encore. Égalé Ogelo, les morts se réjouiront. Les malades seront guéris. Il demeure le même. Il n'a jamais changé. Jésus reviendra. Réaliser des prodiges. Il le fera encore. Alléluia. Les morts ressusciteront. Les malades seront guéris. Il demeure le même. Il n'a jamais changé. Jésus reviendra. Il fera les merveilleuses choses, les miracles. Il produira des miracles. Je chanterai avec ma voix. Je chanterai avec ma voix. Je voudrai avec ma force. À l'éternel en tout temps. Je serai à l'abri de ses ailes. Je serai à l'abri de l'éternel. L'éternel me protégera. Il veillera sur moi. Je demeure sous l'abri de l'éternel. Je demeure sous l'abri de l'Éternel. Je demeure sous l'abri de l'Éternel. L'Éternel veillera sur moi. Il me gardera. Je demeurerai sous l'abri de l'Éternel. Je ne mourrai jamais. Alléluia. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Alléluia. Je ne mourrai point. Oui, je vivrai. Je chanterai, je donnerai mon cœur à l'éternel. Je ne mourrai jamais. Alléluia. Je vivrai éternellement. Alléluia. Je demeure sous l'abri de l'éternel. Je demeure sous l'abri de l'éternel. L'éternel veillera sur moi. Il me gardera. Il serait sous l'abri de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous sommes au dixième jour. Aujourd'hui, c'est le jour de la semence. C'est ça. Afin que le ciel arrose tes semences. Pour que cela puisse germer. Et que la honte soit le partage de l'ennemi. Hallelujah. 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 Father, Father.
Abba Father. Abba Father. Abba Father. Abba Father. Abba Father. Abba. Seigneur, nous t'élevons ce matin. Je suis reconnaissant dans la joie. Car avec toi, on est intègre. C'est ça. Avec toi, on est victorieux. Avec toi, on est guéri. Avec toi. On rencontre les défis et on triomphe. Je crois que dans la marche des 32 jours, ceux qui sont dans la boue, tu les relèves de la boue. Ceux qui ne sont pas aiguisés, tu les aiguises. Ceux qui sont liés, les chaînes se brisent. Ceux qui sont malades, ta main de guérison les visite. Nous qui avons perdu d'espoir, l'assurance, le vent de l'assurance souffle. Ceux qui te méconnaissent courent tellement et viennent vers toi. Seigneur, je te rends grâce ce matin car tu nous as interpellés pour cheminer avec nous. Je te rends grâce avec toi. Des nations ont la délivrance. Et les pierres se brisent dans leur vie. Seigneur, je me prosterne à toi pour déclarer que tu es Dieu. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Tu es le Dieu compatissant. C'est toi qui pardonnes les péchés. Je te rends grâce ce matin. Je te recommande ce que tu nous as confié. Et je t'en supplie pour leur vie. Et je demande la délivrance pour des nations. Je demande ta visitation dans leur vie. Et je réclame que tu essuies leurs larmes. Seigneur, mets des choses dans leur bouche. Car ils ont ouvert la bouche. Seigneur, pourvois, donne-leur de la nourriture. Et ceux qui ont de la force, donne de l'ordre afin que ceux qui les dominent puissent les gouverner. C'est ça. Ma chonye gbeji adia. Ma chonye gbeji akavoe. Je chanterai avec ma voix. Ma chonye luse awodo. Je chanterai avec ma force. Seigneur, je te rends grâce ce matin, car je vois tu œuvres dans une vie. Ton esprit souffle et ta puissance gouverne dans une vie. Et la destruction disparaît dans des vies. C'est ça. Les chaînes se brisent. Que Dieu règne dans une vie. Afin que Christ et qu'une vie retrouve l'alliance. Hallelujah. Amen. Ejo bibi bibi femewe. Tu es le Dieu de feu. Tu arraches les choses depuis leurs racines. Ejo bibi. Tu es le Dieu de feu. Bibi femewe. Tu es le Dieu de feu. Hallelujah. Tu arraches les choses depuis la source et avec leurs racines. Alléluia. Seigneur, je vois ton esprit. Visite une vie. Et ta puissance retentit dans des vies. Et des vies
crient vers toi. Et des larmes coulent. Les mains sont élevées pour que ton secours divin visite des vies. Je prie pour toi. Et je te saisis. Je t'enlève de la boue. Des pierres se brisent dans ta vie. Tes ennemis ont la confusion. Il t'ont établi. Tu es devenu la pierre angulaire. C'est ça. Toi qui as été rejeté, c'est toi qu'on interpelle. Les chaînes se brisent. Tu deviens la bannière de ta famille. Seigneur, je te rends grâce. C'est toi qui sais. Des grands combats. On ôte la honte dans des vies. On guérit des vies. Et je te guéris au nom de Jésus. Tu cherches en vain ta maladie. Je te touche. Et je proclame, déclare la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Je prie pour vous. Vous qui êtes dans des maisons avec des puissances, des pierres, comme des idoles. Et il commande vos vies. Et il gouverne vos vies. Aujourd'hui est le jour de ta délivrance. Je prie pour toi. La flamme de Dieu rentre dans ta maison. Et ces combats cessent au nom de Jésus. C'est Dieu qui gouverne ta maison. Si tu m'écoutes, dis-moi amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mieva. Alléluia. Mieva watichu. Nous sommes auprès de ta croix, Seigneur. Galate. Auprès de ta croix. Oh, rempli agbe. D'où le salut agbe et la vie Lazio. Oh, rempli agbe. Tu as agbe la vie éternelle. Lazio. Tu m'écoutes. Je suis là ce matin pour semer. C'est pourquoi je crois que j'ai arrangé ta terre. Afin que tu pries avec moi. La nation dans laquelle nous sommes. La prière d'aujourd'hui a un lien étroit avec l'autel de la nation. Selon la source du Togo. C'est pourquoi tu dois faire cette prière. On ne te permet pas d'être aux États-Unis et de vivre la même vie comme au Togo. Non, jamais. On ne te l'a pas autorisé. Tu ne peux pas être en Londres. En Chine. Ghana. Être au Ghana. Mali. Être au Mali, au Niger, en Allemagne. Brazzaville. Au Congo, Brazzaville. Non, jamais. En Afrique du Sud. Jamais. Belgique. Non. En Belgique. Non. En France. Au moment. On ne t'autorise pas. Néné. C'est ça. C'est pourquoi prie. Et dis-moi, mais le Togo, toi qui es au Togo, et qui tu m'écoutes, on ne t'autorise pas. On ne te donne pas cette permission d'être dans un pays. Et le mauvais instruction de ce pays gouverne ta vie. C'est pourquoi tu dois prier qu'à partir d'aujourd'hui, je détruis l'autel d'imperfection dans ma vie. Seigneur, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, l'autel qui déclare que si je réalise les choses, que la chose soit imparfaite, et que la chose n'aboutisse pas. Je prie, je brise cet autel et j'arrête leur vie. Au nom puissant de Jésus, autel d'imperfection. Autel d'imperfection. Écoute au nom de Jésus. Je te donne le sang de Jésus. Je t'établis et je t'oblige que je réalise les projets et que cela aboutisse et que cela prospère. Je prie maintenant tout autel qui soit brisé à la source, que cela soit brisé à partir d'aujourd'hui, quel que soit le fait que je
suis né sur un jour. Je brise maintenant cet hôtel d'imperfection. Hôtel d'imperfection. Qui est lié à tous les hôtels. Et qui est lié à ma vie. Vous n'avez plus de lien avec moi. J'arrête vos œuvres dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Tu m'écoutes. Hein? Si tu ne connais pas le chemin. Et qu'une personne passe. Et tu sais que là où il va, c'est à ce même endroit, cette même destination. Si la personne te dit, suis-moi, c'est une grâce pour toi. Amen. L'apôtre connaît l'endroit où tu devrais aller. Il connaît l'endroit que tu dois aller. La ville. L'endroit qu'on te dit d'aller, qu'on te donne d'aller. Obé. Cette personne, c'est Dieu. Je connais la ville, la destination dont Dieu te montre. Et ce qui est plus méchant. Certains méconnaissent la ville où ils doivent aller. C'est pourquoi si l'audio vous parvient, que Dieu arrange tes oreilles. Qu'il mette de l'huile dans tes oreilles. Et qu'il touche ta tête. Afin que tu puisses saisir la chose. Et que cela te propulse. C'est ça. Je prie pour vous. Les chaînes, les verrous de fer se brisent. Les pierres se brisent. Au nom puissant. La grâce que tu n'as jamais vue te couvre maintenant. Et te positionne à l'endroit où Dieu désire. C'est un échec. C'est ça. Que tu n'arrives pas à la destination que Dieu voudrait. C'est ça. Et si tu échoues, regarde combien vont échouer. Je salue tous ceux qui sont au niveau de la Suisse. C'est ça. Ceux qui sont au Canada, je vous salue. Si tu m'écoutes, dis-moi Amen. Ceux qui sont au niveau de Londres. Je vous salue. Mais ce n'est pas du tout. Si tu voudrais réécrire l'histoire. Si tu voudrais tomber de la main de l'ennemi. Si ton éducation de base n'est pas bonne et que tu veux te tailler. Ce n'est pas du tout aisé. C'est ça. C'est ça. Si tu n'acceptes pas les choses que je t'enseigne, tu ne vas jamais agréer. C'est la personne même qui décide. Le changement. C'est toi-même qui dois dire, oui Seigneur, je suis prêt. Lorsque je suis allé à la ville sainte, j'ai demandé à ce qu'on me trouve des gens qui peuvent labourer la terre. On a trouvé un jeune homme. Et lorsqu'il travaille, j'ai remarqué qu'il aime le travail, il est laborieux. Je les ai pris sur moi, cette charge-là. Et ce jeune homme avait une femme. Lorsqu'on a commencé par travailler, je les ai appelés. Parce que vous arrosez les fleurs et les arbres dans la ville sainte. Je voudrais que vous quittiez l'étape de l'idolâtrie et de l'adultère. De la fornication. C'est ça. Vous devez quitter ce niveau. Monsieur va demander les choses pour la dot. Afin que l'église t'aide à doter ta femme. Mon nom. Ces derniers. Oui, ils sont allés. Mais en réalité, ils n'ont pas reçu cet appel. L'appel et la bonne chose qui les est parvenue. Et le dimanche, je l'ai annoncé à l'église. Que ceux qui sont en train d'arroser les fleurs, je voudrais qu'ils se marient. Qu'ils fassent tout. Ils ne vont même pas utiliser 100 francs. Quel est ce bonheur? Oh. Les parents sont venus me voir. Et un parent
Un des parents a tellement raconté tous les défauts de la femme. Mais si Dieu t'aime, et si c'est Dieu qui t'a choisi, quelles que soient les médisances, lorsqu'on racontait les défauts de la femme, c'est comme si le lendemain, je dois l'adopter pour le monsieur. Et quand j'avais dit cela à l'église, le jeudi, le temps d'être là, il y a une dame qui a déjà acheté 6 différentes pièces de panne pour amener mon enfant. Si tu n'as pas reçu l'appel, quels que soient mes efforts pour toi, c'est ça. Tu vas le voir en vain. Les parents disent quoi? Les parents disent quoi? 3 mois passés et ils ne parlent plus. 4 mois. Ce que j'ai remarqué. La fille ne venait plus au service. Si elle vient aujourd'hui et les semaines qui vont suivre, elle ne vient plus. J'ai écouté qu'elle a déjà quitté le monsieur pour un autre. Ceux qui étaient en couple durant 5 ans et qui souffraient ensemble. Voici la bénédiction, le bonheur cette dame a quitté le monsieur qui n'est pas aussi aisé pour un autre monsieur qui est plus malheureux. Dieu est le les crocodiles ne peuvent pas nous détruire. C'est ça. Quand j'ai écouté, j'étais en bon. Que certaines personnes ne vont jamais profiter du bonheur jusqu'à leur mort. C'est quelle puissance? Ces derniers sont des étudiants. Ils sont des étudiants. Ils participent à l'école. Des disciples. Ils sont des disciples. C'est ça. C'est quel Satan, quel esprit malin. Volo. C'est ça. Le monsieur aussi a déserté. Est-ce que je vais venir? Est-ce que je ne vais pas venir? Il a déserté. Tu ne vas pas savoir qu'il balaie, qu'il entretienne la ville. Si on te donne leur montant, leur salaire, tu ne sauras pas que c'est l'entretien seulement ils font. C'est vraiment triste. C'est pourquoi je suis là ce matin. C'est toi qui dois faire le choix. C'est ça. Que jamais. Là où on m'a positionné, je ne serai plus jamais à ce niveau. Les deux ont déserté. Car je voudrais leur faire du bien. Pourquoi? Je prie pour toi. Le grand crocodile qui est couché sur toi. Que lorsque la cloche a sonné pour ton bonheur, toi-même tu disparais. Et agir de façon contraire. Les prières qui sont sur le papier. Si tu t'amuses avec. Tu te tues. Tu iras peut-être voir les idoles. Tu vas le faire en vain aussi. Car tu as enfreint les lois. Je bénis des vies. Hier, maison d'assurance. Je suis allé à la maison d'assurance à Batou. À Gotimi Batou. Pour voir comment l'œuvre. Le travail avance. J'ai la ferme assurance que si le leader dit non, c'est non. C'est non. Et si le leader déclare que ça doit être ainsi, c'est comme ça que cela doit être. Je te donne cette ferme assurance. Va que viens au camp, à la retraite, à la convention. La préparation physique. Me permet et me donne l'assurance que c'est la maison de Dieu. On t'attend vivement pour que tu puisses parler à Dieu. C'est ça.
C'est comme cela que cela fonctionne. Mais Dieu l'a fait, mais j'ai quitté la maison. Chez mes parents. J'ai quitté mes parents que je vais aller jeûner. Vraiment, mes amis, préfère ma voix. J'avais déjà acheté ce. J'avais déjà construit trois cases en bambou. Avec de l'argile et couvert avec de paille. C'est ça. Et je suis allé au jeûne. Je suis allé au jeûne. Et je ne suis plus retourné à la maison jusqu'à maintenant. Ça fait de cela 26 ans. Je suis resté dans la brousse. Viens voir. Il n'y avait pas de l'eau. Il n'y avait pas de natte. Quelle folie. C'est une folie. Viens. Oui, le dojilo. Alléluia. Tu seras sidéré. Tu auras de la rage. Tu auras de la rage. Et tu vas crier à Dieu. Tu vas élever les mains. Pour déclarer que la puissance qui revêt et qui permet de marcher parmi les lions. Et que Dieu glorifie son nom. Quelles que soient les idoles, les puissances que tu as dans ta maison. Je me souviens que lorsque j'étais dans cette même bourse, une des femmes de mon papa est venue me voir disant, mon enfant, on va te tuer. Comment est-ce que toi seul tu t'es réfugié dans cette brousse? Et tu es encore parmi les idolâtres. Je t'en supplie. Reviens à la maison. Ton papa s'énerve tant. N'as-tu pas affirmé que tu vas prier? Mais que fais-tu exactement? Reviens à la maison. Mon enfant. On n'écoute pas toutes choses. Tu m'écoutes? Je voudrais te quitter. Mais je vais quand même semer avant de partir. Alléluia. Amen. Si j'espère en toi, tu m'écoutes. Tu as pris tes bagages et tu as voyagé pour l'étranger. Tu ne reviendras pas les mêmes. Amen. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Que Dieu intervienne dans ton cas. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. C'est là. Écoute. Soit pour peu pas, ma parole. Le dixième jour. Nous allons lire. À ton lire. Deutéronome. Oh moi, pour que je sois une nouvelle personne. Seigneur Jésus, je suis là. Je suis là. Oh moi, pour que je sois une nouvelle personne. Seigneur, je suis là. Oh moi, pour que je sois une nouvelle personne. Dieu, lui, il est prêt. Pour changer catégorie. L'apôtre est prêt. La balle est dans ton camp. C'est à toi de faire le choix. Sinon, je vais crier sur tous les 32 jours. Et le 20e jour, si je te pose la question, qu'avons-nous fait durant cette semaine? Tu vas déclarer, j'ai ma connexion même. Cette semaine, on nous a coupé le courant, vas-tu affirmer? Mon portable est tombé dans l'eau, vas-tu affirmer? Mon enfant. Je ne suis pas libre. Mais après, et j'ai dit, après, je vais le faire. Lorsque j'ai amené les pasteurs à la prière, à la veillée de prière, j'ai dit une petite phrase. Le danger.
le danger qu'il y a afin, et que tu n'arrives pas à destination. C'est de te mentir à toi-même. Mmh. C'est ça. C'est ça. Quand tu te trompes, quand la fin du mois arrive et que tu ne vas pas devant le mois, si le mois finit, tu dis je suis occupé. Et parce que tu es occupé, je le ferai l'autre. C'est comme ça tu te trompes. Et la fin mais du mois, je vais enlever ma part. Mais à la fin elle du mois, tu le manges avec elle le noyau. Tu le manges avec l'os. Elle tu te trompes. Cette semaine, je vais prier dans la nuit, trois nuits. Et au moment propice, c'est comme ça que tu te trompes. Sache que s'il en est ainsi pour toi, tu signes. Tu signes pour être dans la boue. C'est une malédiction. Je l'ôte de ta vie. Si tu m'écoutes, mais le pogalo. Je sonne la cloche. Maintenant, j'ai déclaré à un de mes enfants, mon enfant, c'est un danger. Que le travail que tu fais, le ciel, le travail que je fais, le ciel va me récompenser. Mais toi, c'est à toi que j'ai travaillé. Mais toi, tu t'en fous. Sache que moi, j'aurai ma rétribution. C'est toi qui vas souffrir après. C'est ça. Le travail le ciel me payera. C'est ça. Mais toi, à qui j'ai rendu service, si tu t'en fous, tu vas perdre. Si tu m'écoutes, je rends grâce à tous ceux qui prennent de l'importance à ce que je fais. Je ne suis pas fou. Non. J'ai cheminé. Et j'ai vu des choses sur la voie. Et on m'envoie t'avertir. Tu m'écoutes. Que les pieux qui sont en cours, je les arrache. Si tu ne l'as jamais vu. Et si tu ne l'as jamais vu. Et tu vas penser qu'on ne le fait pas. Ils vont enfouir le clou. C'est ça. Et tu seras stagné. Et ils vont t'affirmer que le jeûne, ton corps est habitué à cela. C'est ça. Mais marche avec Dieu. Cela est tellement plus élevé que le jeûne. Et tu es fatigué. Non. Je te libère au nom de Jésus. Que le nom de Dieu se glorifie dans ta vie. Deutéronome 33. Le verset 19. Si je le répète. Répète avec moi, s'il te plaît. C'est comme ça. Seigneur. Saint-Esprit. Doucement. Amen. Déjà au camp. J'irai au camp. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils feront des sacrifices de justice. Car. Ils se seront de l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sol. Ils vont en bas appeler le peuple sur la montagne. C'est ça. Le premier point. Cheminer avec Dieu. On vous appelle d'être de venir à la montagne. C'est ça. Afin que les trésors qui sont enfouis dans la mer, qui sont cachés dans le sable, puisse être votre partage. C'est ça. Je prie pour toi. Je proclame et déclare cette marche avec lui. Le trésor qui sont en fait. Je prie pour toi que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. On appelle le peuple sur la montagne afin qu'ils fassent, qu'ils offrent des sacrifices. On t'appelle à la montagne. Les maisons d'assurance. À la maison d'assurance. Que là-bas, tu puisses prier. Faire des sacrifices, offrir des sacrifices. Afin que les trésors cachés, dans le sang, cachés dans la mer, tu puisses en bénéficier. Je prie. Je proclame et déclare. L'argent va venir au camp, à la maison d'assurance. La maison d'assurance. La maison d'assurance. Je prie pour toi. Je te vois à ce moment.
pour que lorsque tout ce qui est spirituel, qui t'appartient, soit ton partage. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Si tu m'écoutes, dis-moi Amen. Si Jésus ordonne, personne ne peut contrôler. Ils appelleront le peuple sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de Jésus. Car ils seront de l'abondance des mers et les trésors cachés dans le sable. C'est vraiment agréable. Cheminer avec vous. On t'interpelle à venir devant le Seigneur. On ne prie pas sans semer. Sans semer de l'argent. On ne prie pas et on ne fait pas des offrandes à Dieu. Le premier sacrifice, c'est le sacrifice de la langue, la louange. Et on fait des sacrifices avec de l'argent. C'est en cela seul. Que les choses qui sont cachées dans la mer, qui est la bénédiction des eaux, la bénédiction de la terre, c'est ça, sera ton partage. Je prie pour toi. Que si tu me dis que cette prophétie afin que je marche avec Dieu à la fin, les choses qui seront ta portion, tu dois les posséder. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Tu m'écoutes. Tu m'écoutes. La deuxième chose. Job. L'Éternel est ton rocher. L'Éternel demeure le rocher. Le refuge des saints. L'Éternel est notre rocher. Job 31, le verset 19. Si je me suis réjoui de la grandeur du monde, de la quantité des richesses que j'avais acquises. Mais tout bon temps, je prie pour toi. On travaille pour avoir des richesses. Et l'œuvre de tes mains, tu dois recevoir la récompense. Mais tout bon temps, je prie pour toi. Les richesses qui sont enfouies dans son entreprise. La richesse du ciel. Je le propulse dans ta vie au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Si tu m'écoutes, dis-moi Amen. Hallelujah. Amen. C'est tellement triste. L'Éternel fera que les problèmes passeront. Afin que cela me convienne. Le dixième jour. Psaume 65. Alléluia. Maouana. Dieu permettra. Nyala onu. Que l'histoire passeront. Afin que cela m'avantage. Si tu es auprès de Jésus, l'Éternel permettra que tes problèmes passeront pour mon bien. Psalm 65, le verset 10 au verset 14. Tu visites la terre. Et tu me donnes de l'abondance. Je prie pour toi que Dieu se rappelle et qu'il arrose ta terre. Et qu'il le tamise et que cela soit rempli. Qu'il le remblaye. Dieu se souvient de ta terre. Je prie pour toi. Les mauvaises écritures, je les efface. Au nom de Jésus. On ne nous avait pas enseigné ça. Jamais. Jamais. Nous brisions les esprits familiaux. Et nous nous concentrons sur nos péchés. Mais le problème n'est pas là. Là où le problème se trouve, c'est là tu ne sauras même pas que c'est la date du 1er janvier, ton jour de naissance. Si on te malmène sur cette terre, tu vas te demander, bon, qu'est-ce que j'ai fait?
Si tu te couches. Mais si on te le révèle, tu diras le 1er janvier seulement. 1er octobre, le 1er octobre seulement. Mais c'est compliqué. Mais je te bénis. Magano, ce ne serait jamais comme auparavant, au nom de Jésus. Amen, si tu m'écoutes. Serein. Tiyo maupe tovutam. Enabli. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Je prie pour toi. Le changement est radical dans ta terre. Et ta source, ton jour de naissance. Le changement agit là. Ta terre. Le changement intervient dans ta terre. Celui qui connaît les secrets de la terre, c'est lui qui déclare qu'il y a le bord de chemin. C'est ça. Les oiseaux vont te déranger. C'est ça. C'est lui qui l'a déclaré. C'est lui qui a déclaré qu'il y a des terres où il y a des ronces et des épines. Et ils vont t'engloutir. Et il a dit qu'il y a une terre. Il y a des pierres qui sont enfouies. Et il y a une quatrième. Qui est la terre qui produit une bonne terre. Et si tu produis, les oiseaux viendront déguster, manger tes biens. C'est pourquoi tu as besoin de Dieu. Je prie pour toi. Je confie ta terre à l'Éternel. Quelle que soit la terre que tu es, l'œuvre spirituelle intervient dans ta terre, au nom de Jésus. Et en arrosant ces sillons, en appelant sa serre, tu détrempes par des plus et tu bénis son germe. Les sillons, c'est ça. Les montres. C'est ça, il y a des hôtels là-dedans et qui vont prendre, occuper la terre. La Bible déclare qu'ils brisent cela. Prie pour moi. Que les montres et les sillons qui sont dans ma terre, je prie maintenant, je les brise au nom de Jésus. J'invite la pluie divine pour qu'il détrempe ma terre. Seigneur, arrose ma vie. Mes œuvres que j'accomplis. Arrose mes semences. C'est ça. Je prie pour toi. Je proclame que ce dixième jour, tout ce que tu as semé, que la pluie de Dieu les arrose au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Pour qu'il y ait ton lien. Le 13e verset. 12e verset. Amen. Amen. Tu couronnes l'année de tes biens et de ta veste d'abondance. Je prie, je crois que 2023, je couronne ton année de tes biens. Alléluia. Comment ça? C'est ça. Je prie pour toi. Élève la main. Déclare à Dieu, Seigneur, 2023, je te le confie. Couronne mon année de tes biens. Oui. Arrose mon année, ôte le venin de l'année, afin que l'année soit ma possession. Tes bénédictions rentrent dans mon année, et que la rétribution rentre dans l'année, la restitution rentre dans l'année, afin que mon ennemi le voie. Seigneur, l'année 2023 ne viendra pas comme il est. Le changement. La rencontre avec ta puissance. Rencontre l'année 2023. Afin que cette année soit l'année de secourisme pour moi. Alléluia. 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 Partout je fous la plante de mes pieds, verse l'abondance. Et mes pas versent l'abondance. Amen. Les plaines du Jésus sont abreuvées et les collines sont saines d'allégresse. Amen. Toute puissance vont se réjouir des prodiges que Dieu accomplit dans ta vie. Je proclame et déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu vivras la vie de miracle. Amen. Au nom de Jésus. Afin que les nations reconnaissent. Amen. Amen. Tcha. Alléluia. Mais dédié. Mais si on me dit que
camp, mais dédié prier, mais dédié. Tous ceux qui financent le camp, je dédie ce verset pour vous spécialement. Tous ceux qui prendront, je dédie ce verset, je le tamise et je le mets dans ta vie, afin que les collines qui sont dans vos villages, dans ta vie, se ceignent d'allégresse dans ta vie. Et que les pâturages se couvrent de brebis. Et que les pâturages se couvrent de brebis. Et que les vallées se revêtent de froment. Et que des cris de joie, des cris et des chants retentissent dans ta vie. La joie infinie rentre dans ta vie. Et que tes œuvres, la puissance de Dieu intervient, ta connaissance, que Dieu intervient dans la connaissance de Dieu, la joie infinie que ta famille, les membres de ta famille n'ont jamais eue. Je te oins. Afin que le nom de Dieu se glorifie dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. C'est ça. Ce n'est pas la foi, la joie de la foi, non. La vraie joie. Tout le monde dit Dieu. La joie de Thomas. Amen. La foi de Thomas. Amen. La bête moi les parce que tu as possédé la chose. Amen. Que tu l'as touchée. Amen. Je prie pour toi. Que Dieu t'exauce. Et que sa gloire se révèle dans ta vie. C'est quoi la gloire? Amen. Si tu m'écoutes, dis-moi. Je crois. Que ce test. Là que les épouses. Tu vas le lire cette fois. C'est quoi? Amen. C'est là. Écoute. Cette fois. Tu vas le lire. Prie avec moi. Les autels sont brisés. C'est ça. Que l'autel d'imperfection soit brisé dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. 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 Alors. Sera. Écoute. Sera. Écoute. Ah, Penamao. Merci Seigneur. Yehovah Miekavu. Éternel, nous te bénissons. Ah, Penamao. Merci Jésus. Yehovah Miekavu. Éternel, nous te proclamons. Moi, c'est pas belle tabla ton vol. Moi, c'est pas belle à ton lien. Tabla ton vol, ton cuir, il y a chèque. Deutéronome 33, le verset 19. C'est vrai. Mais quand même, il y a chèque. T'en es né. 19 déjà. Un bro, c'est Bosier Adrien. Okay. C'est Bosier Adrien. On va le lire cette fois. 19. Oui. C'est. Écoute. Okpeduko, va to lagbo. Afisi, au savon, va vatole. Elle a bena. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront de l'abondance de la mer et des trésors cachés dans le sable. Amen. Amen. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront de l'abondance de la mer et des trésors cachés dans le sable. Amen. Amen. Okpeduko. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice. Et la benne, car le fumé, ils suceront de l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Amen. Ils appelleront le peuple sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice. Et la benne, car le fumé, ils suceront de l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Amen. Ils appelleront le peuple sur la montagne. Là, ils offriront un sacrifice de justice. Ils suceront de l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Amen. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice. Car ils suceront de l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Amen. Amen au nom de Jésus. Amen. Amen au nom de Jésus. Amen au nom de Jésus. Amen au nom de Jésus. Job 31, verset. Je vais faire un tableau de voir quelque chose. Amen. Blâme voir à temps. Jean 31, le verset 25. Yé le blobena. Déclare. Né, n'y a pas de job, n'y a que si nous. Si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens. Et yé n'y a alors, donc pour nous gagner. De la quantité des richesses que j'avais acquises. Amen. Né, n'y a pas de job. Si je me suis réjoui.
de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que mes mains ne me acquises. Si je me réjouis de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises, amen. Ne me si je me ne me podijobe ni que selon nous sommes de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises, amen. Ne me podijobe si je me réjouis ni que selon nous sommes de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises. Amen. Ne me pas dijobé. Si je me suis réjoui de que la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises. Ne me pas dijobé. Si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et où nous pleuvons, et où et tu trouves des trésors. Amen. Psaume 65. Pour Salmo, blague des fruits de ton travail. Amen. Psaume 65. Alléluia. Amen. Kafuma udae. Louons Dieu éternellement. Kafuma udae. Louons Dieu éternellement. Kafuma uchojimeke. Louons le. Kafuma uchojimeke dae. Louons le éternellement. Hallelujah. Et donc où anibaji? Aye ne deti wo ukone. Amen. Tu visites ma terre, tu lui donnes de l'abondance. Tu le comble de richesse, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares mon blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant mes sillons. En aplanissant mes montes. Tu détends ma terre par des fruits. Tu bénis mon germe. Tu couronnes mon année de tes biens. Et mes pas versent l'abondance. Mes plaines du désert sont abreuvées. Et mes collines sont saines d'allégresse. Mes pâturages se couvrent de brebis. Et mes vallées se revêtent de fromage. Des cris de joie. Amen. L'abondance se rentre dans ma vie au nom de Jésus. Tu visites ma terre et tu lui donnes de l'abondance. Tu me combles de richesse. Le ruisseau est plein d'eau. Tu prépares mon blé quand tu la fertilises. En arrosant mes sillons, en aplatissant mes montes, tu détrempes par des pluies, tu bénis mon germe, tu couronnes mon année par tes biens, et mes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées, et les collines sont sèches d'allégresse, le pâturage se couvre de brebis. Et les vallées se revêtent, les cris de joie et des chants retentissent. Alléluia. Et donc, tu visites ma terre et tu lui donnes de l'abondance. Tu me combles de richesse. Tu prépares. Quand tu la fertilises, en arrosant mes sillons, en aplanissant mes montes, tu détrempes ma terre par des pluies. Tu bénis mon germe. Tu couronnes mon année de tes biens. Et ne pas verse l'abondance. Les amitions du désert sont abreuvées. Et les collines sont saines d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis. Et les vallées se revêtent de fromage. Les cris de joie. Et donc, Anibaladi, tu visites ma terre, tu lui donnes de l'abondance. Tu la combles de richesse, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et Nabli, tu prépares quand tu la fertilises ainsi. Et en arrosant mes sillons, en aplanissant mes montes, tu détrempes ma terre, tu bénis mon germe, tu couronnes l'année de tes biens, et mes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abondantes, les collines sont saines d'allégresse.
Le pâturage se couvre de brebis. Et la vallée se retrouve. Les cris de joie et de chant. Et donc, tu visites ma terre. Tu lui donnes de la bonté. Et tu yon ma ouverte, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et n'a bli. Tu prépares. Et tu la fertilises ainsi. Et de ti, on peut bon. En arrosant mes sillons. En aplanissant mes mots. Et tu détrempes ma terre. Tu bénis mon germe. Tu me couronnes. Tu me couronnes de tes biens. Et mes pas versent la bonté. Mes plaines du désert sont abreuvées. Les amitiom. Et mes colibres sont pleines d'allégresse. Bla aligi. Allez où yo l'anifé au pan, ayez blido pepe, de baliome, se revêt de ou le asseye choum, les cris de joie et de chant retentissent. Bon ambe, amen. Amen. Et donc, anik baladji, tu visites ma terre, tu lui donnes de l'abondance. Tu yo ma oufe ton voutan, tu la comble de richesse, et le rousseau de Dieu. Ayez allé ne wo, anik baladji, tu prépares le blé comme tu l'as fertilisé ici, en arrosant mes sillons, en aplanissant mes mots. Et de tigné bolipo. Tu détrompes ma tête. Et bagnac le menig lago. Et tchotchi dja boboeo. Do achone. Et yira nyenu miemio. Tu couronnes l'année de tes biens. Et tchonunio do achonam. La paix. Et pas vers la paix. Et wo nye a photo pour la michom. Amen. Nye la nipo. Et pleine du désert. Le bebehan la michom. Et yé nye tout beau la tchaye som. Et mes collines sont saines d'allégresse. Alle yo nye la nipo pam. Les pâturages se couvrent de brebis et mes vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et des chants. Les yeux souffrent comme. Non puissant. Si tu m'écoutes, déclare avec moi. Da, be, ne. 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 Je rends grâce à Dieu. Et je me réjouis. Et je me réjouis. Ben, le tout dit. Car tu as l'écoute. Je rends grâce pour la vie de l'intérêt. Je salue tous les Esther qui sont au niveau d'Amlamé. Je vous dis que la grâce de Dieu est en Amérique. Les Esther qui sont au Togo. Qui sont au Togo. Et yo les France là. Ils sont en France. Je peux ne dire mais. Que Dieu vous bénisse. Yom zareba gbeba gbede. Appelle-moi le mécanicien. Tu n'as aucun. On se retrouve le dimanche. Nenelo. C'est ça. On se retrouve à la ville. Et Gérard le 16 à Miadjemo. Et prépare-toi pour la. Il y a une maison d'assurance Agotime Batume. On ira à Agotime Batume. Agbova le 18. On reviendra le 18. Les yeux sont communs. Au nom puissant de Jésus. Bye bye. Bye.